si on est au Faro pour le dernier Prime, c'est sentimentalement très très fort ce qui s'est passé avec ce feuilleton et ce qui va continuer de se passer jusqu'à la fin. Et ça, c'est super. Beaucoup d'émotions. Ouais. Beaucoup de joie parce qu'on est tous ensemble. Et on est content de se retrouver tous, mais c'est, ouais. C'est vrai que c'est assez triste quand même. Concernant ce dernier prime, bah pour moi il est très avantageux vu que je me marie avec Kylian. Donc c'était pas du tout prévu et c'est juste ouf quoi, ça va être cool à jouer et puis en plus c'est quand même le dernier prime de la série. Donc de clôturer cette série emblématique, ça fait plaisir. C'est très émouvant et c'est très beau, je suis sûr que ça va être super beau. On fait un travail extraordinaire. Effectivement, de terminer sur un prime, bah déjà c'est beau. Parce qu'effectivement, on est tous ensemble, tous en groupe. Il y a plein de scènes chorales, quoi. Et c'est chouette de finir là-dessus. Donc, bah ouais. C'est chouette, on se marre bien, quoi, tous et ensemble. Surtout, ça fait un beau petit clin d'œil pour terminer cette série où il y a eu quand même des centaines de comédiens aussi. Donc là, il y en a plein qui sont revenus, qui n'étaient pas venus depuis longtemps. Il y en a plein avec qui on n'avait jamais travaillé. Donc voilà, c'est cool, on se découvre. Personnellement, je me suis extrêmement amusé. La vibration de ces tournages était extrêmement particulière, extrêmement forte. Et c'était une expérience unique. Non, on prend beaucoup de plaisir à être dans ce 29e Prime, qui est le dernier, vous le savez. Et puis Plus Belle nous a donné cette opportunité-là aussi de rencontrer plein de monde. Et puis d'avoir cette chance de participer à cette chorale pendant 10 ans, c'est magnifique. C'est toujours très émouvant de tous nous retrouver. On est très joyeux et en même temps, on aborde vraiment le dernier virage. Donc, de tous se revoir comme ça, il y a tellement de souvenirs qui témoignent tellement d'époques que c'est impressionnant à vivre. Et ça vaut le coup d'être vécu. Comédien sur le plateau, ouais. Du coup, il faut dire que c'est un sacré bordel. Mais c'est que de la belle émotion. C'est un joyeux bordel. Ouais. Ouais. Voilà, donc plus ça va rester, plus il y aura du monde. Hey. C'est le dernier prime, donc ça va être riche en émotions. On est tous ensemble. Je regardais avec mes grands-parents, moi. Et si on m'avait dit que j'étais sur le dernier plan de Plus Belle, ça aurait été fou. C'est magique. C'est quand même un moment, comme c'est le dernier plan, la dernière séquence en tout cas. On est presque tous réunis. Il y a beaucoup de peine. Il y a beaucoup de pudeur aussi. Là, on retient nos larmes. Il faut un peu les boules, là, quand même. Bah, bien comme il faut, ouais. Surtout quand on a... On a tourné le flash mob, moi j'ai eu des petits coups de larmes, on va dire, ouais. C'est la première fois en plus qu'on se retrouve sur un plateau avec autant de monde, donc c'est génial, c'est la fin, on profite à fond de l'instant présent. Année à sévir sur ce plateau, en voyant toutes les têtes de mes camarades, je me dis que j'ai eu la chance de tourner avec chacun d'entre eux. J'ai eu cette chance-là et du coup c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que bah, c'est fini tout ça. Mais quelle chance d'avoir pu partager cette aventure avec tous mes camarades. Voilà, c'est ça, 18 années.